Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 4 août, c'est la Saint-Jean-Marie Vianney, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Jean-Marie. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est d'être riche, dit Lao Tzu. Je répète, la phrase du jour est de savoir se contenter de ce que l'on a, c'est d'être riche de Lao Tzu. Allez, nous allons voir ce que cette journée va nous réserver. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour aujourd'hui? Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être pour certains, va-t-on vous demander soit en mariage, soit en Pacs, soit effectivement, pourquoi pas, emménager à deux. Attention encore une fois de travailler sur vos croyances limitantes. Et puis on vous dit oui, n'ayez pas peur, puisque la personne avec laquelle vous êtes actuellement ou vous êtes ou vous avez actuellement, c'est certainement la bonne personne. Donc soyez dans cette légèreté pour justement prendre les choses comme elles viennent. On continue. Bah, écoutez. J'ai l'impression que, il y a quelque chose qui vous fatigue durant cette journée. Vous avez une sorte d'envie, de tristesse en vous. Vous avez envie de faire certaines choses. Et puis en fait, il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités. Et on va vous mettre sur le chemin, justement, quelque chose qui va vous permettre d'avoir un déclic. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc même si vous n'êtes pas bien, aujourd'hui, ouvrez bien les yeux. Peut-être une personne, quelque chose, un acte ou une action, quelque chose, vous permettra d'y voir plus clair et je dirais par le hasard, même si ce dernier n'existe pas, d'avoir ce fameux déclic et de comprendre comment vous allez pouvoir faire pour vous en sortir. Alors, et bien écoutez, signature d'un contrat pour ceux et celles qui sont à devoir signer un contrat de travail, vente, achat, crédit, voilà, on est là-dessus, engagement également. Protection aujourd'hui de vos guides, donc rien ne devrait vous arriver. L'ange est là en plus pour vous protéger. On est sur une très belle journée, donc profitez-en. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Alors, c'est ce qu'on appelle faire des tableaux de visualisation. Donc, n'hésitez pas, effectivement. Alors, on vous l'explique, je crois, de mémoire, dans le livre Les Secrets. Vous pouvez effectivement prendre une planche, coller tout ce que vous souhaiteriez et vraiment vous focaliser sur votre rêve, de la vie de rêve que vous souhaitez dans les mois et années à venir. Et si vous faites ce tableau de visualisation et que vous le regardez tous les jours, en fait, vous l'imprégnez. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe. Et beaucoup disent qu'effectivement, leur rêve se réalise. Et c'est totalement vrai. Donc, soyez dans ces pensées créatives pour pouvoir réaliser le meilleur de vous-même. La meilleure vie pour vous-même. Prenez votre élan, le voyage commence, vous avez besoin de prendre de l'altitude, de connaître de nouveaux paysages et de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Prenez une grande respiration et laissez-vous porter par ce nouvel élan, l'aventure commence. Donc on a beaucoup de renouveau pour certaines personnes, des envies de changer alors que vous venez peut-être changer, des envies de partir alors que vous venez de partir. En tous les cas, voilà, vous avez d'autres envies parce que je pense que vous commencez à être dans la meilleure version de vous-même et vous savez de plus en plus ce qu'il vous faut. Affrontez votre avenir avec force et audace. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Donc attendez-vous à vraiment un changement de vie pour certains et certaines d'entre vous qui auront fait ce travail pour justement être dans le meilleur, dans le partage et dans quelque chose qui vous correspond. Je termine avec une carte de l'oracle de la mer. L'authenticité. Voilà, la recherche du meilleur de vous-même, l'authenticité, ce que vous êtes, ce que vous êtes vraiment, non pas sur ce bercement d'illusions, mais sur ce que vous êtes vraiment, c'est ce sur quoi on va vous demander de travailler. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À demain matin. Bon café. Au revoir.